Aujourd'hui, on va jouer au club de golf de Montcalm pour la série de vlogs de Sortez Golfer. Puis mes partenaires de jeu sont au range. Moi, c'est déjà fait frapper 3 balles, 3 bien. Aujourd'hui, je vais partager le terrain avec le professionnel en titre, Eric Laporte. T'as un solid swing de golf. Salut, Eric. Je m'inspire. Et mon grand chum, qui est un amoureux de la région, qui reste dans le coin, le golfeur Étienne Dadon. Yes! Ouais, il y a deux 18 trous ici au Montcalm. C'est un terrain que j'ai joué plusieurs fois avec mon père quand j'étais plus jeune. Puis je suis revenu dernièrement, il est vraiment beau. T'es arrivé ce matin, là, la journée où on tourne, on est lundi, puis c'est plein. Puis Eric nous expliquait qu'il y a un membre qui s'occupe de faire c'est un Vegas à 4 chaque lundi. À 4, exactement. C'est 120 joueurs c'est en crossover. Ligue. Ouais, petite ligue les lundis, Vegas à 4. Puis c'est populaire d'année en année, gars, c'est full house. Ah oui, ça met de la vie dans le club. Oui, puis les gens jouent un Vegas une fois par semaine, des fois ça change le beat, ça change le setup. Puis ils se battent pour gagner, là. Je te dis. Ah ouais? Ils jouent pas pour le fun, là. Ils veulent gagner. Pis... C'est sérieux, ça? Oui, c'est. Mais eux autres, c'est le championnat mondial du lundi, là. Le championnat mondial du lundi. Non, mais c'est le fun, ça leur donne la piqûre de c'est fighter pour quelque chose, pas une jouer pour jouer. Le reste de la semaine, ils jouent leur game, les gens. Puis, trois par semaine, c'est une petite ligue différente, fait que ça fait du bien. Non, c'est ça. Comment va la saison? Quand tu te fais organiser, c'est bien. Je savais que le lundi, c'était à Vegas, fait que ça, j'ai mis ma casquette. Ouais, ça fait plaisir, tu veux que t'aies comme ça. Mais comment va le début de saison? Super. Écoute, ouais. D'après moi, comme dans tous les clubs de golf présentement au Québec, en Amérique du Nord, ou on va dire dans le monde, le golf est bon, la température est bonne depuis 2 ans. Nous autres, la pandémie, ça a été complètement l'inverse. Ouais. La pandémie a donné un nouveau souffle au golf. On a une liste d'attente pour la membership, ce qui est rarement ou jamais arrivé depuis. Vous êtes les Packers de Green Bay. Entre autres, exactement. Sauf que tu peux pas acheter d'actions. Mais on essaie de répondre aux besoins des gens, puis pour qu'ils soient pas trop déçus, pour qu'il y ait du fun, qu'ils restent dans le game, puis qu'ils puissent apprécier ce sport-là. Là. C'est ça l'idée là-dedans. Ben, pour moi, c'est juste des belles nouvelles parce que l'industrie va bien, puis ça paraît, puis c'est le fun d'avoir un club où s'occuper avec des gens de toutes les générations, des gens de partout qui viennent jouer au golf, c'est le fun. Dano, tu prêtes? Fais-moi ça, toi. Plus soin? Ça, un droit, au moins? Ben, c'est ça. De quoi, au moins? C'est quoi, c'est important? L'attitude. L'attitude. Un droit, au moins? Ok, on s'en va faire ça. On va jouer la fin du parcours Seigneurie aujourd'hui, puis c'est un super beau finish ici au Club de Golf Montcalm. Bon, on va jouer une petite formule, parce que je sais que t'aimes encore ça beaucoup, la compétition. Oui, mon ami. Ouais. J'ai pris des adversaires de taille ce matin. Ouais, fait que Dano puis moi, en Vegas, contre Eric. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui est bon à savoir ici sur le 14? Le 14, on a une rivière qui traverse le. Qui coupe le fairway en deux. Donc, il faut absolument que tu fasses un coup, un lay-up. J'emmène ça au 100-110 verges. Aujourd'hui, position de la pine. Et dans le fond à gauche, position la plus facile parce que c'est le verre le plus dur du terrain. OK. Le plus dur à lire. Ah, on commence. C'est ça. Là que ça va être spectaculaire, Étienne. C'est là qu'on va voir toute ta création, dans ta créativité du. Dans le pot? Oui, dans le pot. C'est l'affaire qui me stresse le moins, c'est le pot. T'entendais la foule? C'est malade, ça crie jusqu'au clubhouse. Premier shot de la game, on prend ma drive. Tu sais quand ça va bien. En date dans le match, là, 100% des coups, c'est balle à Étienne. C'est incroyable. Oh, regarde là tout le long. Oh! Trop bien, trop fort. Gros long. Juste un peu d'humidité. C'est pas poté. C'est bon. La longue. Et voilà, all square. Égalité, all square. Par 5. Beau corridor pour sortir du tee. Tu vois le gros tronc d'arbre là-bas? Ouais. Ben, c'est pas là, faut aller. Mais tu le vois, là, c'est pas là, faut aller. Tu gardes ça un petit peu plus à droite. Ça ouvre quand même, là. Je ça va tourner. Ces arbres-là. T'as frappé, popé, oui. Okay. La shot, ça va être de longer les arbres. Tu peux pas te retrouver dans la pente trop tôt. Down the middle. C'est la première fois que je pars des jaunes. Là, on a-tu décidé ce qu'on fait au montant? Je sais même pas si c'est les jaunes ou les golds. T'imagines-tu comment j'ai jamais joué de là? Non, mais je vais te donner en confiance. Je vais mettre Étienne en confiance. En date, 100% des coups, t'es shot. C'est incroyable. Tu pourrais partir au chalet et nous attendre avec une bière. Ta mission est c'est réglé. C'est ça, Yann, j'ai une question. On va faire quoi au montage pour les taches de café? Je suis en chandail. Ah non, tu m'y es? C'est les taches de café, pour vrai?
Je sais pas si. Ça en prenait un. Vas-y, vas-y. Jouer de bonheur demain, ça en prenait un. Tu vois le gros arbre, Max? Pas le foie, là. Écoute, All Square après un trou, j'avais besoin de ressources externes. Mon cadet est venu m'aider un peu, fait que là, je pense honnêtement. À part les tâches en plus, on me fait pareil. Ça fait longtemps que tu cadres en plus. Ça fait 20 ans que Ronald est sous le cadre et assisté à tout. Tous les beaux moments et inversement, tout le reste qui vient avec. Ton meilleur club, ça va être ça. 6. 6? T'as-tu notre belle relation d'amour, le ton fait 6? Ouais. Bon, allez-y, continue. Ça, pourquoi prendre pas 5? Parce que t'es dans le rough. Il n'y a okay. pas assez de down pour faire une bonne enlevée, puis tu gagneras pas tant que ça en gain. L'idée, c'est d'aller se placer sagement. Là, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vu que ça, c'est solide, moi, je peux dévisser mon bois de feu. J'en voulais juste un peu. J'ai de l'ambition. J'en voulais juste un petit peu. Dans ta face, là, ça paraissait agressif. C'est quand la veine s'est mise à sortir, on s'est dit qu'on dirait qu'il va frapper fort, celle-là. Ouais, mais disons. C'est baveux, ça. Un short de 4 pouces, puis il dit qu'un short. Bon, 93 verges, Dano. Oh, plus ferme, ça, c'est bon. Could be good. Oh! Messieurs, pour gagner le trou, Eric Laporte. Oui. Oh. OK, 1-0, Eric. Let's go. Mais moi, je suis quand même content de perdre avec Laporte. On peut voir toute l'efficacité du cadet en date. Toc, 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 gagne le trou. Good job pour les verts, ils sont vraiment écœurants. Personnellement, j'en suis pour rien là-dedans. Non, mais tu diras à ton équipe. Mais l'équipe de surintendant de Claude, c'est sûr qu'ils font une job exceptionnelle. C'est sûrement les plus beaux verts. C'est mon porte-parole pour leur dire. Avec tout le respect que je dois aux autres, mais on a quand même sûrement les plus beaux verts de la région. Il y a une job qui s'est faite ici qui fait en sorte que ce verre-là, souvent, il était magané. Regarde comment ils ont émondé les arbres tout le tour. Il y avait beaucoup. Ah, Ils étaient à l'ombre. Ils ont tous coupé les arbres là. Le l'air passe. Oui, tiens, t'as envoyé ta balle là. Sûrement, c'était plein d'arbres. Okay. Puis ici, il y avait plein d'arbres. Fait que là, le soleil, quand il passait, le green tombait tout de suite à l'ombre. Okay. Fait que là, ils ont émondé ça. Le green. Le l'air passe. Moi, je pense que pour la grosseur du verre, il suffit sur ta longueur de barre. Ouais. Tu peux-tu? Ça. C'est Eric l'a mis dedans, il gagne le trou. Deux. Oh. Oh. Attends, je veux juste dire, j'avais dit une petite shot. Il est allé trop. S'il m'avait écouté, il l'aurait eu. Ah, tu veux? Hein? Allez, on met ça dedans qu'on va le trou. Je pensais que tu jouais contre moi. Ben non. Un bon pamplemousse à gauche. Peut-être. Mais oui! Oh! Oh! Le nouveau putter! Ça rentrait au poste. Je m'occupe de ça. Non, mais c'est l'avantage de jouer avec la pine. Tu peux y aller plus attaquer. Plus. Oh. Étienne l'a frappé plein milieu du bois. Pop, pop, pop. Mur de pain. Shot. Boom. Vas-y, c'est incroyable. Moi, j'étais un joueur de billard aussi. En plus de golf. Fait que. Combien il y a de cross-coin, tombé là. 115. Je vais mettre du bleu sur mon fer. Sur mon fer 9. Je pense qu'on a changé le batting order. Ouais, mais Dano, on prend ses drafts depuis tantôt, puis il est plus chanceux que moi. Fait que j'aime mieux me fier sur le gars qui est en train de jouer sa première de la saison. Ça fait partie de la game, la chance. Gainer, hein? La chance des ouais. Chances, ça fait partie de la game. Ok. Ouais. Ça va être un bon coup de gueule, ça. Et elle s'arrête. La balle. Court en plein centre du trou. Concédé? Oh oui, concédé. Ah, concédé. Ouais, là, on va jouer sur le perte de championnat pour le 18e. Eric, l'équipe d'Éric Laporte, composée de Éric Laporte. Éric Laporte. Mène par un. Fait que moi et Étienne, c'est là que ça se passe, au 18 que ça se passe pour égaliser le jeu. Vous êtes dormi, on finit ça comme d'un conte de fées. Ouais. Un beau film de Disney, 18e trou.
par 3. On peut remarquer la foule qui nous attend, qui nous accueille. Toute ton expérience va ressortir sur ce coup-là. C'est ça que ça doit te sortir sur ce coup-là. Dire Max comme premier joueur. Ouais. On a trouvé la bonne stratégie. Là, je vais te dire Ian. Tombe par là. Tout glisse pas mal vers où est Claude et Ronald là. Tout glisse pas mal par là. Ça a l'air de rien, mais il va être rapide. Tout va au lac. Oui, tout va au lac. Il va être rapide ton chip. Quête de pause. Quête de pause. Super terrasse qui donne vue sur le 18 quand les gens finissent de jouer. Belle place pour manger dehors. Tu sais, à la soeur, c'est compliqué mangeant dedans. Ça va revenir ce que c'était. Avec l'été qu'on a, manger dehors, c'est encore même mieux. Là. Vous avez la terrasse pour ça, puis pour des finales de tournoi, c'est parfait. Non! 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 Oh! Non! Tu l'as dit, Étienne, à ce jeu-là, il faut être plus chanceux que bon. Good job. Merci. Mesdames, messieurs, l'équipe gagnante de l'équipe d'Éric Laporte. Et voilà, j'ai réussi 2-0. Ok, bravo Éric pour la belle victoire. Ben merci, c'est d'arrache-pied. D'arrache-pied. Non, mais c'est le fun, c'est pour nous autres, puis je le dis tout le temps, c'est le fun de côtoyer des professionnels, puis c'est le fun de vous voir aller aussi. Puis moi, j'aime ça sentir que la compétition, le désir de compétitionner, il est encore là. Il y a encore des petits games à l'argent avec les chums, des fois. Ça, écoute, gars, c'est une petite game qu'on s'est faite. On a eu du fun, l'idée c'était d'avoir eu du fun. C'est ça, totalement. On a eu du plaisir. Peu importe là, quand tu joues avec qui tu joues, moi je joue contre nous autres, on a fait le temps, je joue contre le terrain. Ah, moi ouais. Je veux jouer du mieux que je peux tout le temps, c'est ça que je veux faire. Bon, ça a donné que j'ai bien joué, ça a été le fun, ça a été cool. Mais il y a eu du fun avec Étienne, avec toi. Puis regarde, on s'est fait une game, on est capable d'avoir du fun là-dedans. Puis c'est super. Mais c'est exactement dans la mentalité de sortir golfer. Puis merci d'avoir embarqué avec nous autres dans le trip pour la carte de sortir golfer cette année. Puis je sais que les gens qui sont venus ici ont eu des commentaires positifs. Je sais que t'aimes beaucoup le terrain, t'as joué souvent ici. J'adore le terrain. Accessible, puis des fois, là, moi, quand j'ai commencé à jouer, l'affaire qui m'a fait le plus peur, c'était l'habillement. Moi, je jouais un terrain de golf, mon home club quand j'étais ado, c'était le chandail, les pantalons, puis tout, puis on se faisait crier après quand t'as pas bien habillé. Fait que moi, quand j'arrive, puis il y a personne qui me regarde de même, j'arrivais à habiller en golf pareil. Oh, oui, oh, oui. Tu comprends? C'est human. Plus relax un peu. Ouais, c'est dans ce sens-là. Plus relax. Dans ce sens-là. Pas dans le sens qu'ils s'en foutent. Non. Mais l'atmosphère ici aussi, ça commande ça. C'est ça. C'est le mot atmosphère. C'est l'atmosphère que tu cherchais. Justement qu'on se laisse, je veux qu'on en parle, parce que je trouve ça important. Vous êtes comédien dans le même film. Oui, on est comédien. Ouais, si on peut appeler ça ainsi. Moi, sûrement plus grand comédien que je suis, mais on a eu la chance l'année passée d'être figurant pour un film de golf qui va sortir aux alentours de Noël, aux alentours des fêtes. Le titre du film est encore un peu sur. Ouais, c'était 18 trous, le titre de travail. Ouais, je pense. Le réalisateur Louis Godbout. Exactement. Puis, production québécoise, c'est un peu de l'humour noir. Fait que ça va être drôle. Puis, on est dedans, une couple de shots. Fait que. En fait, ça se passe en l'intérieur d'un foursome. Puis, Eric, puis moi, on est le foursome qui suit le foursome principal. OK. C'est nous autres qui le poussent dans le cul. Qui en passent des belles dans leur foursome. Il y a Alexandre Goyette, Christine Beaulieu dans le film. Ouais, exactement. Ça va être le fun. On a hâte de voir ça dans un cinéma près de chez vous très bientôt. Certainement. Lado, merci pour la game. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour la journée, Max. Merci, Étienne, pour la journée. C'est vraiment le fun. Super. Venez profiter du coup de golf, mon camp. Il y a 2-18 trous, c'est super beau. Puis il y a une magnifique terrasse pour la fin de journée. C'est parfait. Avec l'été qu'on connaît présentement, là, c'est une destination de choix. L'atmosphère. Puis, comme on dit, ben, sortez golfer. Oui, sortez golfer. Salut, tout le monde. Salut, bye.